Ici pour Kingston. Nous avons ordre de réquisitionner le navire de Scrobalour. Pardon ? Kingston ? Non, non, nous allons à la Havane. Je suis un simple marchand. Silence, sale pirate ! Tu seras pendu pour ce que tu as fait ici. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette attaque. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et en... Donne-moi une seule raison de ne pas t'ouvrir le crâne. Prenez mon sel, prenez tout ce que vous voudrez. Ah, je vous paierai tout ce que vous voudrez. Mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Prenez mon sucre ! Prenez tout ce que vous voudrez ! Ah ! Ah ! Je vous paierai tout ce que vous voudrez ! Prenez mon sucre, prenez tout ce que vous voudrez. Ah, ah, je vous paierai tout ce que vous voudrez. Mon Dieu, oh mon Dieu. Prenez mon sucre, prenez tout ce que vous voudrez. Ah, ah, je vous paierai tout ce que vous voudrez. Mon Dieu, oh mon Dieu. Prenez mon sucre, prenez tout ce que vous voudrez. Ah, ah, je vous paierai tout ce que vous voudrez. Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien ? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami ? Steed. Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah,
Vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui ? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Sans barque, j'ai peur que nous ayons à nager jusqu'au navire. Ça pourrait être pire, Bonnet. Oh, je suis à la peine. J'aurais dû enlever mon manteau. Belle prise.
bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schooner, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire. Le vent a forci. On ferait mieux d'envoyer toute la toile, non ? Plus de toile ! Toutes les voiles ! Ah, sentir le vent dans mes cheveux et le parfum de l'océan dans mes narines. Cette odeur brute me réconforte. Elle m'évoque tant de possibilités. J'aime ta manière de voir les choses, Bonnet. Nous voguons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas? Les matelots semblaient assez inquiets à l'idée que les pirates écument ces eaux. Pensez-vous qu'il s'agit d'un réel danger? Pas vraiment. La plupart des pirates rôdent dans la passe au vent. Cuba, Hispaniola. Je vois, en effet. C'est un des trois très fréquentés. Gardez les cacatères ! À dire vrai, je n'ai guère à m'inquiéter d'une attaque de pirates. Mon navire est petit et je ne transporte rien de bien précieux. De la canne à sucre, de la glace, du rhum. Pas un seul pirate au monde ne tournerait le dos à un rhum. Ma foi, vu sous cet angle, vous avez raison. Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. On est sur la bonne voie. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est, c'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. C'est bon. En bas? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Voilà. Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, testing, 1, 2, 3, salut, bonjour, c'est bon ? Ça marche ? Bon, allez, on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Impressionnant, non ? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg.
D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre une minute, ok? Bonjour. Je te remercie, Nancy. Bonne journée. Avec des cheveux longs et raides. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le et j'ai dit un œil, c'est plutôt cool. T'as peut-être remarqué que la sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. T'es prêt? On y va. Je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour. Tu bosses sur quel projet? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Ah, hardi matelot. C'est super. Bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau? Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravi de te connaître. Bon. Voici l'étage de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur, Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Tes jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton Animus... Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'Animus est rempli de tutoriaux très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale, breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions, ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Étalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extraneuronaux activés.
Ah, allez-y de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein? Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez dans les parages pendant que je mènerai mes affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature, en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide ! Un coup ! Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réales ils ont volé pour finir là-dedans. Hola, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de reales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. Niño tonto. Por eso tus manos son tan insensibles. Qué pena. ¿Llevas mucho con esta compañía? Desde el año pasado que salí de la local. Ah ah ! Voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Peut-être qu'une bonne dague me conviendrait. Allons voir. Je devrais m'acheter une épée, on me prendra plus au sérieux. Oh, nous ferons la paire, vous et moi, aussi féroces l'un que l'autre. Prête-moi quelques reales, mon ami. Je viens de te sauver la peau. Ah, mais bien entendu. Merci. La llamada del comercio. Bien avantage. Et toi, Bonnet ? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Et il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacrebleu ! Je vous ai égaré, Duncan. Ne t'en fais pas, je vais prendre un peu de hauteur. Où est-ce qu'on doit aller ? Une taverne avec une sorte de cour intérieure. Camus et tradulatio eurum fluentium. Capilorum miran. Saturata ventris fluctus ad cardiocus. Loaca. Vis egenteuron. Ut pulices infestan vestis genitalibus.
Et dis mes manettes. Dieu, que vous êtes agile! Chaque doigt est un hameçon. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai marin. Oui, c'est bien dit, je l'avoue. Je crois que je vois ta taverne. On n'est pas loin. Non, te résistes, Gordiflon. Arrêtez, arrêtez. Tiens bon. Je vais dérober ma bourse. Bon sang, que dois-je faire? J'en perds le souffle. Je crois que mon cœur s'est arrêté. Si je t'attrape, je te brise les genoux. A un lado, señor. Arrêtez. Si je t'attrape, je te brise les genoux. Je vais te coincer, charogne. Je suis derrière toi. T'as mal choisi ta victime, mon gars. Cet homme a des amis dangereux. El caballero. Buena te. Duncan, grand Dieu, vous êtes en vie. Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Le bon vieux George a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Oh hey, toi, là! J'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. Tais ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça? Si c'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir. Allez les gars, j'ai vu des oiseaux avec des plus gros bras. Get behind him! Come on.
¡Viene el soldado! ¡Corre! Vous n'allez pas partir? On se reverra. Perro inglés! ¡Que sangre! ¡Intente darle un plato!